Bonjour, assalamu alaikum, marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire des haricots. Aujourd'hui, radin saibo lobia. On a besoin de lobia, des oignons, de l'ail et des tomates. Touma, trois sauces de touma. Le basal et tamatine. Voilà, j'ai pris une cocotte. Je vais mettre de l'huile d'olive. J'ai pris 200 grammes de viande. Moi, j'ai pris du bœuf. Et on peut le faire avec de l'agneau aussi. Je vais mettre les oignons. Que j'ai coupé. Ça, le basal. Je vais mettre la viande. J'ai coupé un petit morceau. Et je vais les laisser frire. De l'ail. Trois gousses d'ail. Du sel. على حسب الذوق لو لي سخيف 10 مينوت تو دوسمون طوماط une tomate coupée en petits morceaux. Petit, hein? Bizarre. Paprika, une cuillère à soupe. Du cumin, cameoun, نخليوه يتقلى Des tomates moussa para, des tomates concentrées. Une grande cuillère à soupe. Je vais rajouter un petit peu plus. Voilà, je vais mettre de l'eau chaude. Je vais les couvrir. Et je vais laisser la viande cuire. Je vais bloquer la cocotte et je vais laisser la viande cuire.
Je vais le laisser cuire 20 minutes. 20 دقيقة. نخليه اللحم كيف يطيب اللحم يفوق 20 دقيقة. على كوكوت فيرم بلوكي. Voilà, je l'ai laissé 15 minutes et je vais mettre mes carottes. J'ai mis deux carottes coupées. Et je vais bloquer la cocotte à point. Et je vais les laisser 15 minutes. Voilà, j'ai pris l'haricot. Je l'ai les lavé. Aujourd'hui, j'ai pris les boîtes. Et je vais le mettre dans la sauce. Mais la viande, elle est cuite. La viande, elle est cuite. On va rajouter l'haricot dans la sauce. Et je vais les laisser l'haricot chauffer un peu pendant 8 minutes. Nar mhila, le feu pas trop fort. Moi, je vais mettre un petit peu de harissa. Quelqu'un qui aime le harissa, il le met. Quelqu'un qui ne l'aime pas, il ne met pas. Un petit peu. Haja khlila. Et voilà, l'haricot lobia, elle est prête. Voilà le lobia. Elle est prête. Et bsaha, raha, et bon appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.